à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un livre, un magnifique livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du Grand Grimoire des fées et des lutins, manuel pratique pour révéler vos pouvoirs intérieurs de Kevin Piragno qui a euh, la chaîne YouTube et l'Instagram Atelier des lutins qui nous avait déjà créé le magnifique oracle des fées. Et des lutins et maintenant il nous a fait un véritable bijou euh, et c'est lui qui me l'a envoyé hein, pour pouvoir le partager avec vous je lui fais encore mille bisous je lui dis encore mille fois merci parce que vous allez voir que ce livre est magnifique franchement il nous fait euh, plonger dans dans un peu de douceur voilà euh, dans, ben, dans tout ce qui se passe pour le moment hein, trouver un peu de douceur ben, ça fait du bien il nous, il nous permet de retrouver notre enfant intérieur euh, et puis c'est un magnifique ouvrage. Voilà. Je vais mettre le petit oracle sous le côté. Si jamais c'est vrai, vous ne le connaissez pas, parce que quand je l'ai montré dans mes vlogs de mes jeux d'automne, et il y a une personne qui m'a dit qu'elle ne le connaissait pas. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, j'ai fait la présentation. Si je n'oublie pas, je vous remets. Euh, je vous remettrai la vidéo de ma présentation de l'oracle dans la barre de description. Voilà, je l'ai pris près de moi, pas pour rien, vous allez voir, parce que dans dans le livre il y a des tirages spécifiques à faire avec euh, l'oracle justement. Voilà. Donc avant que j'oublie de vous le dire, il sort euh, le 2 novembre. Euh, donc vous pouvez déjà le précommander. Hein, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là. Donc il est édité aux éditions. Contredire chez Très Daniel. Et bon, déjà, rien que la couverture est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, ils nous ont mis des tranches dorées. Ça fait très, euh, bah, très luxueux. Hein. Moi, franchement, j'adore. Il y a même un petit ruban ici et tout pour retrouver sa page. C'est magnifique. Mais du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Embarquez pour un voyage initiatique, féerique et enchanté votre quotidien. Bien plus qu'une qu simple encyclopédie du merveilleux, ce grimoire est un ouvrage pratique, bienveillant et accessible qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature. Il deviendra un allié indispensable pour connaître tous leurs secrets et ainsi réveiller la magique sommeil en vous. Au fil des pages, vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie et retrouver une âme légère et sereine. Vous découvrirez. Les caractéristiques des différents esprits de la nature et comment bénéficier pleinement de leur pouvoir. Des outils, des astuces, des exercices, des conseils, des méditations, des protocoles énergétiques ou encore des rituels utiles à toutes les situations. Des guidances et un livre oracle vous éclaireront sur toutes vos problématiques. 23 cartes oracle et une multitude de tirages pour les utiliser. Des chèques d'abondance détachables pour attirer le positif. Alors, êtes-vous prêt à partir dans une aventure magique à la rencontre de vous-même? Donc, Kevin Piranio est praticien en hypno spirituel et propose des ateliers énergétiques. Il a créé l'Atelier des lutins pour partager ses guidances quotidiennes et aider les autres à développer leurs capacités spirituelles. Il est également l'auteur de plusieurs oracles, dont l'Oracle des Fées et des Lutins, paru chez le même éditeur. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ce livre est au prix de 29,90 euros. Mais franchement, vu le, la beauté du livre, le nombre de pages, il les vaut largement. Je me demande si ce n'est pas 400 pages, près de 400 pages, je crois. Ça y est, je fais tout bouger. Bon, vous aurez remarqué que je suis dans ma véranda, bien entendu. Hein. Je voulais juste voir le nombre de pages. Oui, presque qu'il y a 300 plus de 4, 390 pages à peu près. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc il j'ai les reçu avec une petite carte hein, voilà, avec un petit mot. Alors ça c'est la guidance qui va avec la carte, voilà. Donc ça je le mets sur le côté que je vais garder évidemment bien précieusement et euh, franchement ce livre est une beauté waouh, il est sur un Papier euh, effet parchemin euh, magnifique franchement j'adore alors on a le sommaire en plus il y a des calligraphies dans oh il est vraiment magnifique des petites euh, arabesques comme ça euh, aux pages donc il est vraiment euh, ben on va dire euh, euh, réparti en, en trois familles hein. on a la première partie ouvrir les portes à votre monde enchanté où il y a euh, plusieurs chapitres douze Ensuite, la partie 2, le grand voyage. Là, on a beaucoup euh, ben, des informations, les méditations, etc. Et euh, la troisième partie, Grimoire, mon beau grimoire éclaire mon chemin, qui est en fait un livre oracle. Donc, dans ce livre, vous avez... Euh, vous expliquer le principe, je vais vous montrer directement. À la fin, on a des cartes comme ça détachables. Elles sont de très bonne qualité, hein, franchement, jusqu'au numéro 23. Voilà, donc c'est toute la même illustration. Hein, et le dos est comme ceci, voilà. Et en fait, dans plusieurs, enfin, dans pas mal de chapitres, vous avez des tirages qui sont proposés. Et vous mélangez les cartes, vous en tirez une. Et euh, du coup, vous allez voir entre 1 et 23 le message qui est conseillé. Donc, c'est comme si vous aviez euh, plein d'oracles dans le livre. En plus, il y a le livre oracle à la fin. Franchement, euh, il a été conçu euh, d'une manière très ludique, je trouve. Euh, on, on plonge dedans, euh, c'est nous qui faisions les tirages. On découvre les messages des elfes, des fées qui veulent, bah, qui veulent nous faire savoir, etc. Avec les petites cartes. Et je trouve ça très chouette. C'est une super idée. Voilà. Donc qui suis-je Ici on a euh, une petite présentation de Kevin. Kevin qui est très très solaire. Hein. C'est quelqu'un euh, ben, quand on l'entend parler de très chaleureux, de très solaire, euh, de très optimisme qui met directement du baume au cœur. Voilà. Donc dans ce grimoire on retrouve plein de magnifiques illustrations hein, comme celle-ci. Donc ici un petit avant de commencer où il nous explique. Euh, qu'il y a de nombreuses appellations qui ont vu le jour au fil des siècles pour parler des fées, des lutins ou des elfes. Qu'importe le nom que vous leur donnez pour vous connecter à eux, le plus important sera le langage du cœur. Je les nommerai de différentes façons au fil de votre lecture. Ce grimoire n'est pas une encyclopédie du merveilleux. J'ai souhaité qu'il soit pratique pour que vous puissiez être acteur plutôt que simple lecteur. Voilà. Alors, astuces et exercices magiques. Tous les exercices et les astuces magiques sont des protocoles visant à vous apporter les clés supplémentaires pour approfondir votre épanouissement personnel. Aucune méthode dans ce grimoire ne remplace ou ne substitue évidemment un traitement ou un avis professionnel, etc. Bon, ici, c'est une petite euh, mise en garde euh, comme euh, on en retrouve souvent. Voilà. Alors, j'adore. Alors, lettre du narrateur, donc là, c'est euh, un petit mot euh, de Kevin, voilà. Et on arrive au chapitre 1. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, avec une magnifique illustration, ouvrir les portes de votre monde enchanté. Et là, on retrouve les chapitres, évidemment, on retrouve de magnifiques illustrations, hein, euh, comme dans l'oracle. Hein. Euh, on a le premier chapitre à la rencontre des esprits de la, des, des esprits de la nature. Je bafouille. Il va nous parler des, des quatre éléments. Comment percevoir, euh, les sentir, les esprits de la nature. Et à chaque fois, on a des petites euh, paroles de fées, par exemple. Ici, on a le chapitre 2. Comment on peut communiquer avec le petit peuple, avec les éléments. Ici, on a un petit mot... Euh, Ici, euh, le détail euh, des étapes à lire entièrement avant. Ici, c'est une relaxation du coup. Et puis, il nous parle du langage des couleurs avec ici euh, la symbolique des couleurs. Voilà. Et il y a plein d'exercices aussi euh, à faire. Euh, ici, vers une connexion harmonieuse. Et ici, vous voyez, on, on symbolique des cartes de la numéro 1 à la numéro Ici, on a 13. Il y a des exercices dedans. Il euh, y a plein de choses pour tirer du coup les cartes. Voilà. Ici, douze, stress. Les facteurs qui peuvent rompre la connexion avec les esprits. Regardez cette illustration, comme elle est jolie. Il enfin, y a plein d'infos. Ici, j'adore ce chapitre. Retrouver son âme d'enfant. Déjà, l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est J'adore cette illustration-là. Les conseils des lutins pour harmoniser une relation, par exemple. Ici, symbolique des messages de votre enfant intérieur. Euh, ici, il y a encore un exercice, mais ici par exemple, euh, du coup, prenez les cartes hein, qui y a à la fin, donc les mélanger, en tirer une, et vous allez lire le petit message que votre enfant intérieur veut vous faire passer. Ici, euh, reconnaître les signes, je souris parce que je vois 11h11 et c'est une heure, moi que je vois souvent. Et il dit aussi une plume, une plume sur votre route. Moi, je fais attention à ce genre de signe quand je vois une plume, euh, par exemple, par terre. Voilà. Alors ici, il y a des méthodes de visualisation. Ici, faire une lettre à son enfant intérieur. Il y a plusieurs exercices, comme vous voyez. Alors, quelques précisions sur les alliés de la nature, les perceptions des enfants, par exemple. Euh, pourquoi certaines personnes sont-elles plus attirées par les faits que d'autres Ici, euh, la nourriture et les offrandes, par exemple. Ici, on va parler du taux vibratoire avec l'échelle de Bovis, ça. Voilà, euh, ici on va parler des formes géométriques, les des mélodies, les essences florales, etc. Celle-là, elle est trop, trop, trop jolie. Oh, j'adore! Qu'est-ce qu'elles sont belles! Alors, on va parler du lien avec les animaux. Donc, là, il y a aussi tout un chapitre qui nous parle du lien avec les animaux. En chapitre 6, les familles et leurs missions. Donc, ici, il va nous développer un petit peu les familles. Regardez les belles illustrations qu'on a là à chaque fois. Voilà. Donc, euh, les. Ici encore, les lieux, voir au-delà des pancartes, création d'une eau d'effet, par exemple les cristaux. Alors ici, on va commencer avec les lutins, le chapitre sur les lutins, voilà. Les baguettes magiques, regardez comme c'est beau <laughs> Où les trouver, etc., message, message des lutins pour éclairer votre chemin, donc ici si on a à nouveau le protocole, hein. Ici, on a les fées. Regardez ce petit lapin là, comme ça. Et les fées. Oh, il est tellement beau. Ce livre est magnifique. Franchement, quand on l'ouvre, c'est impossible de ne pas avoir le sourire et du baume au cœur. Vraiment. Donc, ici, le chapitre sur les fées. Hein. Pareil, hein, où les trouver. Gardez celle-ci. Oh, mais elle est jolie. Bon, moi, je retourne en enfance. Hein. Il ne faut pas grand-chose déjà. Alors, les différentes catégories de fées hein. la gardienne des lieux, les fées marraines, fées de l'eau, terrestres, etc. Ici, un protocole de libération et de purification avec l'effet de l'eau. Et ici, il vous explique. Bon, ici, on a toutes les fées. Voilà. Fait des sorts, fait des bois. Bon, je passe quelques pages. Fait indigo. La fée des émotions. C'est celle-là que j'ai reçue la carte hein, qui va avec fait du feu. Alors, ici, exercice avec la fée du feu. L'astuce magique des fées. Ensuite, on va parler des elfes. Pareil, on a tout un chapitre sur les elfes. Ici, pareil, hein, avec les cartes, on peut avoir un conseil euh, des elfes. Euh, votre mission avec les esprits de la nature. Ici, on a les cartes, hein, voilà. Euh, les créatures légendaires. Et celle-ci, alors là, regardez, mention spéciale. l'illustration est tellement jolie. Oh là 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 là. Voilà. Donc, ici aussi, hein, prenez les cartes numérotées de 1 à 12, détachez à la fin du grimoire, mélangez et de, pensez à la question quelle créature légendaire m'accompagne allée piocher une carte et aller lire, du coup, ici, euh, le message. Vous voyez, il y en a plein comme ça, hein, où, où il nous propose des. C'est vraiment comme si on avait plein d'oracles dans le livre. Voilà. Ensuite, la partie 2, le grand voyage. Préparez votre, vos bagages pour le grand voyage. Voilà. Alors ici, il va nous parler, euh, faire appel aux quatre éléments, les huiles essentielles, euh, des, des mélanges à faire, mélanger plusieurs huiles essentielles, etc. Pour une profonde relaxation, un voyage apaisant, ici, une petite recette. Alors, en chapitre 2, portes, les portes pardon, de votre lieu magique. Qu'est-ce qu'un lieu magique Déjà, il vous l'explique il y a plein de... Il y a des exercices aussi ici. Euh, imaginez votre port dans les moindres détails. La clé, serrure, armature, vous pouvez la dessiner à cet emplacement dédié. Bon, moi, je vous avoue que ce sera impossible, personne de dessiner ou d'écrire quoi que ce soit dans ce livre. Vous savez, si vous me connaissez bien, que non, dans les beaux livres, c'est impossible. Mais euh, rien n'empêche de faire ça sur une feuille volante et de la glisser dedans. Voilà. Si vous êtes un peu trop maniaque comme moi. Alors ici, on a « Voyage méditatif dans votre lieu sacré ». Pareil, ici, on a de nouveau euh, un tirage avec euh, les cartes hein, pour voir la clé magique. Je trouve ça super original. Et puis, on a un chapitre sur l'ancrage et la forêt enchantée. Ben, déjà, c'est quoi l'ancrage Je vous le dis souvent dans les guidances hein, on parle beaucoup de l'ancrage et c'est très important euh, ben, pour le moment, hein, avec tout ce qu'on entend. Voilà, des astuces pour renforcer l'ancrage. Voilà, aventure méditative. Il y a plein d'exercices. Celui-ci, j'adore. Aussi, bienvenue chez l'enchanteur. L'enchanteur est un lutin ou parfois un elfe qui vous apportera toute source d'aide ou de remède. Il vous guidera toujours vers la marche à suivre pour utiliser des sortilèges de protection et de purification. Il vous proposera la bonne potion pour vous épanouir et vous renseignera quant à l'outil à utiliser lors de vos pratiques. Ce guide rempli de sagesse lève le voile sur de nombreux questionnements. Chaque personne peut faire appel à l'enchanteur pour le rencontrer. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. En formulant votre demande à voix haute, en méditation, en accédant à votre lieu magique, voilà, etc. Donc ça, je trouve ça super chouette. L'aventure avec l'enchanteur, encore un voyage méditatif chez l'enchanteur, c'est super joli. Voilà, donc ici on a de nouveau euh, les cartes. Hein, vous pouvez poser euh, vos questions. Ici un tableau de visualisation vous pouvez faire. Ici c'est la suite des cartes. Donc ici avec l'enchanteur, vous allez trouver la pierre avec laquelle euh, il vous conseille bah, de travailler. Voilà, il y en a plein, hein, du coup. 23. Ensuite, comprendre la magie des énergies. Qu'est-ce que l'énergétique déjà Voilà, quelle posture adopter, etc. Tous des conseils. Un petit mot évidemment sur les chakras, hein, où il va nous parler de, des sept chakras. Ensuite, des méthodes énergétiques transmises par les esprits de la nature. Encore des techniques hein. la cape d'invisibilité des elfes, protection contre les intentions néfastes, comment savoir si un lieu est hautement vibratoire, etc. Vous voyez, il y en a plein hein. et en même temps, il est super joli créer un socle d'énergie. En chapitre 7, le voyage des lutins, des fées et des elfes, le voyage pour rencontrer un esprit de la nature. Magnifique. Et comme ça, vous avez plein d'exercices, développer ses facultés extrasensorielles. La fontaine des fées pour attirer l'abondance dans votre vie. Le cycle féerique. Bon, ici, vous voyez le petit ruban hein, qui est dedans, du coup. Donc, ici, on va parler du calendrier des grandes fêtes et des esprits de la nature avec un mot sur les sabbats. Voilà. Yule, etc. Ensuite, on va parler des lunes et de ses faces avec, ben, euh, ici, hein, la nouvelle lune. Ici, on nous parle d'échecs d'abondance. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Je vous les montrerai à la fin. Donc, ici, on a toutes les, les faces de la lune. Et alors, ici, on a les cartes. Et, des fées, et les fées, avec des tirages spécifiques euh, à notre beau bébé ici, un hein. tirage à une ou deux cartes, le tirage du lutin, on a un tirage en trois cartes, le trio des fées, un tirage à six cartes, le bonnet du lutin, à sept cartes, la potion des elfes, et à douze cartes pour les mois ou pour l'année. Et ensuite, on passe à la troisième et dernière partie, qui est en fait un livre oracle qui comporte ben, tout ça. Euh, je vais aller jusqu'où hein? Pas dans les annexes. Voilà, jusqu'ici. Tout ça, en fait, c'est un livre oracle. Donc, vous voyez, hein, il est gros. Hein? Euh, ben, c'est le principe de la bibliomancie. Où vous ouvrez au hasard, voilà, et vous lisez le message. Les prochaines pièces que vous trouverez sur votre chemin seront la réponse des faits. Voilà, donc, si vous trouvez des pièces de monnaie sur le chemin, ben, sachez que ce sera la réponse, un petit message des faits. Ensuite. Ici, on a les annexes. Ici, on a euh, une échelle de bovis. On a une magnifique fée. Un bocal. On hein, y en a où ils font des bocaux comme ça où ils mettent un petit mot dedans. Voilà, annexe 4, 5. Le petit mot de la fin. Voilà. Remerciement. Bibliographie avec deux... Euh, Bibliographie. Un petit mot à propos de l'auteur. Bon, ici, vous voyez ses réseaux sociaux hein, à propos de Kevin. Voilà. À propos de l'illustratrice Véronique Lépinet, ben, c'est la même, hein, on l'aura reconnue, euh, qui a illustré euh, le magnifique oracle des filles et des lutins. Ça se voit tout de suite avec ses réseaux sociaux également. Et alors ici, on arrive à ces fameuses cartes détachables. Je pense perso, moi, que je vais les détacher, peut-être les plastifier par sécurité, ma foi. Et je pense que je collerais euh, une belle enveloppe ici. Ils vendent des, des enveloppes décorées hein. ici. Euh, comme ça, je pourrais les glisser dedans pour éviter de les perdre quand je les aurais détachées. Et alors ici, on a les fameux chèques magiques d'abondance à faire pour la pleine lune. Et il y en a euh, quelques-uns aussi. Hein. Voilà. Et puis après, bon, si vous n'avez plus, vous pouvez toujours faire une photocopie. Vous pouvez mettre deux enveloppes. Hein. Une pour les chèques d'abondance et une pour les cartes. Voilà. Franchement, il est magnifique. Je l'adore. Euh, franchement, il, il, il donne le sourire. Voilà, tout simplement. Et il permet de découvrir plein de choses sur l'univers euh, bah, du petit peuple. Hein, voilà. Moi, je vais me faire une joie de plonger dedans et en même temps il fait du bien avec tous les protocoles énergétiques, euh, les méditations guidées, etc. D'ailleurs sur la, la chaîne YouTube euh, de Kevin, l'atelier des lutins, euh, il propose aussi euh, des euh, méditations guidées, etc. Euh, si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne. Franchement, ces deux-ci, euh, ça va être le combo parfait aussi pour l'automne, euh, pour plonger un peu dans, la, dans les rêves aussi, dans l'imaginaire, euh, dans le peuple des, des fées, tout ça. Euh, franchement moi je trouve trop 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 beau et j'aime beaucoup euh, ben, l'idée qu'il a eu moi de faire ces cartes détachables et de retrouver au fil de ce grimoire ben, plein d'oracles au final, plein de guidance et le livre oracle conçu dedans euh, ça fait euh, un gros livre avec trois parties euh, différentes et c'est chouette de les avoir réunies. Voilà donc je vous rappelle qu'il sort le 2 novembre. Eh ben bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi vous trouvez ce livre magnifique, si vous avez l'oracle des fées et des lutins, si vous trouvez que les deux ensemble vont très bien, si vous allez précommander son livre, si vous l'avez vu passer ou pas, s'il vous plaît, enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, je fais encore plein de gros bisous à Kevin et je lui dis encore un grand merci pour son magnifique bébé. Franchement, tu peux être fière de toi parce que c'est un vrai bijou. Voilà. Et vous, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous